Et bienvenue pour ce nouveau tuto peinture qui sera exclusivement dédié aux bâtiments du jeu Star Wars Shatterpoint. L'objectif de ce tuto est de vous proposer plusieurs méthodes ainsi que plusieurs couleurs afin d'adapter eh vos bâtiments à vos différentes tables. On va donc voir comment faire eh bien, des bâtiments type désert pour une planète de type Tatooine, donc une base beige orangée. On verra aussi eh bien, comment faire des bâtiments beaucoup plus froids pour une planète du type Hot, et donc travailler eh bien, différentes teintes de blanc. On verra également eh bien, une planète de type euh, Felucia, mais ça pourrait être Endor, etc. pour eh s'accorder avec la végétation ambiante. Et on verra eh bien, un décor du type Mustapha, quelque chose de beaucoup plus sombre pour coller avec des ambiances un peu plus dark. Durant ce tuto, je vous proposerai aussi de faire des weatherings, c'est-à-dire apporter un peu de vie ou de vieillissement aux diverses structures, et également comment allumer ou éteindre les lampes et faire des lignes de marquage sur les structures. Par contre, je ne peindrai aucune des plaques ou aucune des grilles, on va dire, des bâtiments. Ça sera l'occasion de voir ça dans un second tuto qui sera exclusivement consacré à ces plaques, échelles et autres poteaux. Ne manquez pas non plus en fin de vidéo notre jeu concours. Avant de démarrer la peinture pendant ce tuto, j'aimerais qu'on discute quand même eh bien, de 2-3 choses à propos de la peinture des bâtiments. Une fois que vous avez bien assemblé, préparé, poncé, jointé, enfin, etc. l'ensemble du bâtiment, eh bien donc il est prêt à peindre. Et pour ça vous avez plusieurs solutions. L'une d'elles étant bien évidemment eh l'utilisation d'un aéro qui va vous permettre de peindre et de basé comme ça ou de faire des dégradés assez facilement sur les bâtiments mais euh, ce n'est pas celle que tout le monde peut utiliser puisque tout le monde n'a pas un aéro donc je suis parti et eh bien pour ces tutos plutôt sur de la peinture full pinceau full pinceau mais euh, sur une base euh, souvent et eh bien de bombes de sous couches de couleurs Vous verrez que c'est une méthode assez facile et assez pratique à utiliser qui permet d'avoir des résultats très rapidement sur les différents décors. Vous verrez qu'en utilisant deux ou trois bombes de couleurs différentes qui se marient bien entre elles, vous allez pouvoir obtenir des résultats vraiment intéressants sur votre décor. Bien évidemment, ça sera une base, mais ça vous permettra de gagner énormément de temps pour la peinture qui suivra. La solution de la peinture à la bombe a de nombreux avantages, que ce soit en termes de rapidité, de simplicité d'utilisation ou eh bien, de préparation même de la peinture. Mais par contre, elle a un certain inconvénient, eh c'est son manque relatif eh bien, de précision. Et pour ça, on va être parfois obligé d'utiliser ce qu'on appelle eh bien, du scotch de masquage. J'insiste sur le fait qu'il vaut mieux utiliser un scotch de masquage de type modélisme, tout simplement parce que ces scotch sont beaucoup moins Collant, euh, résistant, on va dire, euh, comparativement à d'autres types de scotch que l'on pourrait trouver en grande surface ou dans des euh, grandes enseignes de bricolage, euh, mais qui sont quand même beaucoup plus collants. Or, les couches de peinture que l'on applique eh bien sûr sur nos figurines sont quand même assez fines, et par conséquent, si vous utilisez euh, le mauvais type de scotch quand vous allez enlever, euh, éplucher quelque part, eh bien, votre scotch, vous risquez d'arracher la peinture, alors qu'avec le scotch de modisme, eh bien, ça ne se produira pas. Alors, certains diront peut-être que, effectivement, passer son temps à masquer ou à faire du masquage sur les bâtiments prend énormément de temps et qu'au final, c'est vraiment pas très intéressant ou drôle, etc. Alors, certes, ça prend un petit peu de temps, mais au final, comme ces bâtiments, eh bien, sont relativement droits, géométriques, etc., le masquage n'est pas franchement compliqué. Donc, le temps que vous allez passer à masquer, on va dire, sera largement compensé par la vitesse d'exécution de la peinture à la bombe, comparativement à d'autres méthodes. Et puis, de toute façon, rien ne vous empêche non plus de ne pas faire ce masquage et de revenir simplement au pinceau sur des petites zones que vous n'auriez pas masquées. Vous constaterez d'ailleurs que dans tout le tuto que je vais vous montrer maintenant, il y a très peu d'utilisation, eh bien, de ce scotch de masquage. Donc, eh bien, profitez-en. Mais comme il y a aussi beaucoup de décors dans ces boîtes à peindre, eh j'ai préféré choisir la solution des bombes. Afin de vous donner une idée, voici le résultat que j'ai obtenu sur le bâtiment qui est dans l'extension Higher Ground. Donc vous voyez que je n'ai pas monté tous les éléments et que certains sont encore amovibles. Mais le fait de l'avoir se coucher en bombe, etc., comme ça, le masquage en lui-même m'a pris à peine 10 minutes et le bombage en lui-même 2-3 minutes, etc. Donc euh, voilà, en moins d'un quart d'heure, je peux avoir, eh bien sur un bâtiment de cette importance-là, eh quelque chose qui est très propre et limite déjà jouable. J'insiste sur le fait quand même que de séparer les éléments, par exemple comme cette grille qui n'est pas sous-couchée dans le dos, hein, va me permettre aussi de gagner un temps considérable, et notamment en termes de peinture, puisque aller peindre derrière cette échelle derrière, a été quasiment impossible alors que là eh bien tout étant dans les mêmes teintes les mêmes couleurs, je n'ai aucun souci à pouvoir recoller après la chose. Donc si vous prévoyez bien eh bien votre schéma de peinture avec vos différentes sous-couches, vous n'aurez aucun problème à exécuter ça et vous gagnerez beaucoup de temps. Pour que vous puissiez comprendre comment je fais avec ces différentes sous-couches pour réaliser quelque part ces premières étapes ou ces premières couches de base, je suis parti sur eh bien la version noir et blanc de la chose. Donc première chose, c'est que par le dessous, hein, donc, diriger, euh, en dirigeant mon jet euh, de bombe par le, le bas du, du bâtiment, eh bien, je passe une sous-couche noire. Ce qui fait qu'en fait, toutes les parties qui vont être en relief en hauteur, eh bien, vont être marquées de noir. Je viens ensuite avec un gris, cette fois par le dessus, hein, euh, non pas par le dessous, et eh bien propager eh bien, un gris foncé qui va me permettre, comme ça, de récupérer d'une part toutes les petites arêtes qui sont sur les côtés, de conserver les ombres noires sur le dessous, mais de propager eh bien, du gris sur le reste, on va dire, de tout ce bâtiment. Je continue ensuite avec un gris clair de façon eh bien, à apporter un peu plus de nuance dans l'ensemble de mes zones. Donc là c'est très léger, ce sont des, des voiles de, de sous-couche que je passe, hein, et j'insiste notamment plus eh bien sur les grandes arêtes, euh, en dirigeant bien mon jet euh, vers depuis le haut euh, du bâtiment. Je finis avec un blanc qui va me permettre eh bien, de, comme ça, de récupérer des zones de lumière eh bien, à divers endroits. Donc là, ça peut être propulsé par le dessus bien évidemment pour intensifier comme ça la lumière sur les arêtes, notamment parce qu'elles bah, sont en contraste avec mes gris et surtout mon noir. Euh, et puis blanchir comme ça toutes les zones de lumière que je souhaite vraiment donner ici dans les grilles ou à certains endroits en plein milieu de la zone. Donc de très légères pulsations comme ça de peinture blanche, vous allez comme ça créer un fort contraste sur le, le petit bâtiment. On va démarrer ce tuto avec la peinture des bâtiments de type désert et c'est là que je donnerai le plus d'explications qui resserviront eh bien, pour les autres types de couleurs. En le faisant avec une bombe de couleur par-dessus, eh bien, je vais récupérer des couleurs. Donc, je commence par un brun foncé ou un brun je, orangé foncé, on va dire, sur le bas de ma structure pour faire le côté désertique euh, qui va être en contact avec le sol. Ensuite, j'applique une deuxième couche, donc là, du Sahara Yellow. Eh bien, j'irai sur le reste et les hauteurs, on va dire, de mon bâtiment. Et je finalise, eh bien, cet éclairage avec un zénithal d'une couleur crème d'une couleur beaucoup plus légère et beaucoup plus lumineuse. Du coup j'obtiens quelque chose comme ceci. Bien évidemment toutes ces pulsations de peinture montrent un dégradé progressif les unes par rapport aux autres, et elles ont profité eh bien, des sous-couches noires et grises que j'avais pu poser en premier lieu. Mais si vous ne les aviez pas posées avant, et eh bien ce n'est pas très grave, ça fonctionne aussi. J'ai pris l'option de ne pas refaire de masquage pour peindre ces différents éléments en contraste avec ma couleur marron. Et donc, je suis revenu simplement genre, au pinceau avec un H-Gray, reprendre eh bien, les différents éléments, les différentes zones de bâtiment que je souhaitais eh bien, mettre dans cette couleur différente. Donc, c'est assez simple puisque de toute façon, ce ne sont que des zones plates, droites, etc., donc, vous n'aurez quasiment pas de problème à bien délimiter ces différentes zones. L'important au final est d'obtenir une différenciation entre les divers endroits ou les diverses parties du bâtiment que vous allez avoir au final. Je vais ensuite utiliser un médium rust très dilué euh, comme. Ombrage dans mes différentes zones, ça va aussi me permettre de délimiter les différentes zones de mon bâtiment. Donc le médium rouge, c'est une couleur un peu un peu rouille, hein, mais que je vais utiliser comme ça extrêmement diluée, de façon à ne pas peindre mes bâtiments en rouge, mais vraiment avoir un jus de peinture rouge. Et je vais comme ça, et eh bien tirer ma peinture très très fluide et très liquide, et eh bien sur les délimitations. Et ensuite, donc là je le fais avec de la salle, vous pouvez le faire avec de l'eau, je vais revenir mouiller eh bien, les bords de toutes ces zones que j'ai placées. Je vais éventuellement les réintensifier pour que, etc. Mais le fait comme ça de passer une peinture très humide et très légère, va faire que eh bien, je vais avoir des, des dégradés, des zones très, très fluides, qui vont permettre de, comme ça, de contraster eh bien, les différentes zones et les différentes plaques les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez qu'avec une peinture comme ça très mouillée et en orientant bien, eh bien ma peinture et en revenant quelque part laver l'excédent de peinture, ça va me créer un dégradé assez facilement sur mes différentes plaques. Et à force de répéter comme ça cette opération eh bien, sur l'ensemble de tout ce bâtiment, je vais vraiment obtenir quelque chose qui sera beaucoup plus en volume et beaucoup moins plat que avec ma sous-couche simple. Vraiment le but ici est de, de séparer les zones, de faire que euh, ça ne soit euh, plus plat, euh, puisque comme la bombe est un GDR pulsé au même titre que l'aéro, eh il faut redonner un peu de volume eh bien, à ces différentes parties. Et, et c'est vraiment ce que je fais avec ce jeu euh, du medium rust, de redonner des zones un petit peu comme ça de galbe, de, de casser le plat euh, des différentes structures. Jusqu'à obtenir eh bien, quelque chose comme ceci qui déjà, on va dire dénote ou démarque les différentes zones. Mais on peut aussi continuer et intensifier eh bien ce travail en passant un deuxième filtre de euh, ce medium roast. Donc exactement de la même façon, une fois que tout est bien sec bien évidemment, eh bien je vais revenir intensifier certaines zones comme ça de façon à pousser eh bien le un peu comment dire l'espèce de poussière que pourrait euh, naturellement obtenir un bâtiment qui serait dans le désert et qui serait soumis au vent et qui accrocherait un petit peu plus d'ombrage à certains endroits. Le fait comme ça de booster couche après couche eh bien, ma couleur va me permettre d'intensifier encore plus mon contraste et donc de profiter on va dire encore plus des jeux de lumière que je vais avoir sur mes bâtiments. Et vous verrez qu'au final c'est très simple vous travaillez avec euh, j'ai presque de l'aquarelle hein, donc euh, c'est très facile à pousser faites le quand même par contre avec un pinceau de bonne taille si vous le faites avec un triple 0 vous allez galérer de ouf et euh, en plus ça sera pas efficace vous aurez du mal à pousser et à tirer la peinture mais au final vous devez obtenir quelque chose comme ceci je viens ensuite avec un beige euh, et un pinceau de brossage à sec euh, de moyenne taille et bien euh, utiliser une technique de tamponnage ou de léger brossage hein, avec une peinture qui est très très déchargée de mon pinceau donc j'ai très peu de peinture sur mon pinceau et bien comme ça éclaircir puisqu'on avait ombré maintenant on va éclaircir et bien euh, nos différentes zones que l'on souhaite mettre en lumière et bien sur notre fiorine le fait de faire des brossages comme ça aussi dans cette couleur même si ça touche le gris, c'est pas très grave, puisque de toute façon on verra que comme on va éclaircir le gris, eh bien on peut aussi éclaircir ce gris avec du beige. Donc vraiment c'est du c'est du taponnage, du euh, je sais pas comment expliquer ça, mais du 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 très léger, on va dire, de la très légère mise en lumière, sans un, sans mouvement particulier, si ce n'est sur les arêtes où là oui, j'intensifie vraiment les arêtes, mais dans les zones que je souhaite vraiment pousser en lumière, eh bien c'est des petits mouvements de tapotage circulaires orienté de façon à booster la lumière. Je viens ensuite avec un Sarah Yellow, pareil très dilué et eh bien reprendre certaines zones de façon à bien fondre on va dire mes, mes différents dégradés et à bien faire en sorte que mes différentes couleurs eh bien, soient uniformes ou que mon dégradé soit plus uniforme. Donc, comme ça, avec une peinture vraiment diluée, vous venez juste repasser à certains endroits, poser quelques gouttes de peinture, et ça va vous permettre eh bien, de reprendre comme ça l'aspect éventuellement baveux, granuleux, je ne sais pas, enfin voilà, de, des différentes zones, et ça va vous permettre de booster comme ça eh bien, le futur éclaircissement final que l'on va pouvoir poser dessus. Et vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Je reviens ensuite avec mon beige et eh bien refaire un peu la même chose, c'est-à-dire poser euh, des zones de lumière très diluées de ma peinture beige, ou bien tout simplement et eh bien reprendre les divers linings que je peux avoir de présence sur la figurine. Tout comme j'ai travaillé tout à l'heure mon médium rust, eh bien je viens poser en fait des filtres de ce beige aux endroits que je souhaite vraiment booster en lumière. Donc je pose ma peinture très diluée et je viens ensuite avec un pinceau légèrement humide et eh bien estomper euh, la démarcation avec mes autres couleurs. C'est vraiment ces étapes qui vont booster comme ça et eh bien la lumière et donc le contraste eh bien sur toute la figurine et ça va vous permettre comme ça de booster et eh bien la lecture, la possibilité de lecture de votre figurine. Toujours avec mon beige, mais cette fois beaucoup, beaucoup moins dilué. et eh bien, je vais venir comme ça poser quelques traits, quelques impacts, quelques petits weatherings ou vieillissements eh bien, dans, mon, dans mon, mes panneaux de mur. Hein. Donc, bah, pas obligé d'en mettre partout hein, de toute façon, mais on va dire que ça va créer de l'intérêt à vos différentes zones et ça va proposer, on va dire, une vie à vos bâtiments. Donc vraiment, c'est très, très léger. Hein. Vous posez quelques points, quelques tout petits traits. Et vous n'avez pas besoin que ça soit visible du moment qu'ils sont présents. Et voilà ce que vous devez obtenir au final. J'utilise ensuite un petit peu de mousse de blister avec du chocolate, une couleur marron foncé, venir faire comme ça un peu de chipping, donc en gros de, de marquer des, des petits trous, des petits angles, des petites gratures, des éraflures on va dire, supplémentaires sur mon bâtiment. Donc ne chargez pas trop la mousse, au contraire, hein, moins... Plus vous allez enlever en hein, air l'excédent euh, de euh, la peinture de cette mousse, plus votre chipping sera intéressant. Je reprends ensuite toujours avec mon chocolat mais au pinceau cette fois avec un bon pinceau fin et une peinture bien diluée Eh bien euh, ces différents chippings, soit je les prolonge comme ça pour créer des, genre des fissures dans les murs euh, ou euh, agrémenter un petit peu plus le travail de la mousse. Hein. Encore une fois, ça doit être parcimonieux, c'est-à-dire que si vous en mettez partout, ça n'a pas grand intérêt et donc vous devez comme ça placer à quelques petits endroits mais pas partout des différentes... Euh, Agréments, comme ça, qui vont booster et eh bien euh, votre chipping, je reviens ensuite et eh bien donner un peu de profondeur ou une un trompe-l'œil, on va dire, avec un grail migré. Et je viens souligner comme ça et eh bien les traits que j'ai pu faire en chocolat. Donc en gros, je choisis un côté hein, et je tire un fin trait qui euh, juxtapose le trait que j'avais pu poser avant, et comme ça, ça me donne un trompe-l'œil, ça donne une profondeur, à mon trait de marron. Alors qu'on a l'impression d'avoir une espèce de bord de crépi avec ce grain migré, eh bien, dans, euh, sur le bord de cette éraflure ou de cette fissure. Et à force de travailler comme ça mes petits points, mes petites éraflures, mes petites euh, lignes de fissure avec euh, ce grain migré, eh bien, je redonne encore plus de texture et encore plus de vie à ce mur. Et je finalise l'ensemble toujours avec mon grain migré en venant comme ça marquer les arêtes les plus importantes de façon très assurée ou très. Euh, Enfin, non linéaire pur, euh, de façon à booster eh bien, le contraste global sur mes différentes parties, jusqu'à obtenir eh bien, quelque chose comme ça au final. Je m'occupe ensuite de mes parties grises et avec un neutral gris, eh je vais réutiliser mon processus de filtre et donc booster eh bien, la lumière sur le haut des volumes euh, qui sont en gris, de façon à créer des petits dégradés comme ça, assez simples. Pas besoin que ça soit ultra précis ou ultra fin euh, dans la mesure où euh, enfin, je veux dire, ça reste une texture de béton. Donc euh, un béton c'est pas totalement lisse. Donc euh, vous pouvez comme ça tirer on va dire, vos zones avec de légers euh, petits brossages ou frottages euh, de votre couleur, ça vous créera une texture assez intéressante. Bien évidemment concentrez-vous sur le haut on va dire des volumes hein, et donc euh, ne repeignez pas l'intégralité mais booster comme ça eh bien votre lumière on va dire sur le, le haut vers le haut eh bien de vos différentes plaques quitte à repasser une fois deux fois ce filtre et à booster comme ça eh bien les quelques petites arêtes ou les zones on va dire qui pourraient être mises en avant je viens ensuite avec un pelgrée et eh bien répéter un peu cette opération mais en me concentrant sur des zones un peu plus petites et en récupérant comme ça progressivement toutes mes arêtes et toutes les zones que je souhaite mettre beaucoup plus en lumière. Donc, euh, prenez votre temps, euh, allez bien chercher tous les petits linings, toutes les zones, etc. Et prenez votre temps de passer un filtre de filtre, eh bien sur certaines zones pour, eh bien booster la lumière et faire que, eh bien oui, on ait encore plus cette impression de volume sur vos différents bâtiments. Si vous aviez utilisé l'étape euh, de le faire à la bombe en faisant votre masquage, bien évidemment, tout ça n'est pas nécessaire. A partir de là et toujours avec ma couleur d'éclaircissement, c'est-à-dire mon grain migré de tout à l'heure, et eh bien je vais revenir idément dans mon béton et eh bien poser comme ça quelques petites euh, traces d'usure de weathering pour booster eh bien, la texture de ce béton. Donc encore une fois, soyez euh, pas trop généreux parce que plus vous allez en mettre, eh bien, moins l'effet sera convaincant. Donc, il vaut mieux être un peu plus réduit, mais que ça marche plutôt que d'en mettre partout. Vous pouvez le faire au pinceau, à la mousse, etc. Comme on a pu le faire, eh bien, dans, euh, avec le chocolate dans les parties euh, déserts, jusqu'à obtenir, eh bien, quelque chose comme ceci. Je pose ensuite un gunmetal, donc un métallique gunmetal, et bien sur les parties que je souhaite être travaillées métalliques. Donc Ma peinture est un petit peu diluée au médium métallique et je viens l'appliquer tout simplement eh bien, un peu partout sur ce panneau de commande jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. J'applique ensuite un shade noir ou un Valero Express Black Lotus eh bien, sur l'intégralité de mes zones métalliques de façon à booster et renforcer comme ça eh bien, les ombrages et tous les petits creux qu'il peut y avoir dans les parties métalliques. Et je vais laisser un bon quart d'heure tout ça bien sécher de façon à pouvoir continuer à travailler ensuite par-dessus. Jusqu'à obtenir eh bien, quelque chose qui va ressembler à ça. Et pendant ce temps, je viens avec un médium orange eh bien, recouvrir euh, l'ensemble des lampes euh, qui peut y avoir de présence sur les côtés. Alors, vous mettez la couleur que vous voulez, ça peut être un orange, un bleu, un vert, un jaune, un blanc, un etc. Là, c'est vraiment une question de goût, une question de, de matcher à votre table, à vous ou à vos goûts personnels. Il n'y a pas de différenciation entre l'une ou l'autre, il n'y en a pas une qui sera meilleure que l'autre. J'utilise ensuite eh bien, un light orange de façon à venir éclaircir. Mais si vous avez utilisé une autre couleur, eh bien, pareil, prenez la même couleur mais plus claire de façon à créer comme ça des zones de lumière eh bien, dans vos lampes. Vous voyez que je pose comme ça quelques petits points, quelques petits traits et vraiment j'insiste quasiment que sur le haut euh, du volume de façon à booster la lumière. Il faut garder une partie de votre médium orange de départ. Et je finalise l'effet avec un volcanique yellow, donc euh, je peux éventuellement mélanger progressivement avec mon orange pour venir booster comme ça la lumière vers le haut eh bien, de cette lampe. Et à cette étape, eh bien, votre bâtiment devrait commencer à ressembler à quelque chose comme ceci. Je reviens ensuite avec mon gun Metal, eh bien apporter un petit peu de lumière on va dire, sur le haut de mes volumes ou sur les différentes arêtes euh, des différents boutons, des différentes poignées ou des différentes euh, lignes de démarcation qui peuvent être présentes eh bien, sur tout ce petit panneau euh, électrique. Histoire de rester cohérent, eh bien, je viens aussi peindre les écrans euh, des différents terminaux eh bien, avec ce orange médium de façon à faire un rappel avec les lumières. Mais rien ne vous empêche de les peindre dans une autre couleur. Une fois basé, vous allez venir assombrir eh bien, le, le coin en haut à gauche et la moitié de l'écran en ajoutant un peu de couleur sombre eh bien, dans votre orange, de façon à donner une, un effet fumé ou un écran transparent vert, on va dire, euh, à votre zone d'écran. Donc, travailler en légère transition un peu comme on l'a fait au début avec eh bien, le, le Medium Rust. Mais donc, voilà. pousser comme ça jusqu'au noir eh bien une moitié de l'écran. Puis revenez éclairer la moitié opposée de cet écran avec eh bien, vos différents oranges de plus en plus lumineux. De façon à booster comme ça, eh l'espèce d'effet de lumière, de, un peu comme sur une gemme, euh, que vous avez eh bien, sur les différents contours ou euh, le gros plat euh, de euh, l'écran. Et vous verrez que vous aurez un petit écran de terminal comme ça, assez sympathique. Pour le fun, je suis venu avec mon grime migré eh faire quelques traits, quelques fausses écritures, on va dire, sur, cette, sur cet écran. Maintenant ah c'est absolument pas obligatoire et bien évidemment euh, personne ne vous en tiendra à rigueur s'il n'y a rien d'écrit sur vos écrans. Et au final, eh j'obtiens quelque chose comme ceci. Comme dans l'univers de Star Wars, ces bâtiments sont très souvent marqués de lignes. Ou de marquage un peu particulier, eh bien je vais vous montrer comment le faire. Donc vous voyez que j'utilise un scotch de masquage et pour bien placer, eh bien j'ai besoin de soulever, décoller. Or là avec le mauvais scotch, eh bien ça pourrait, eh bien enlever la peinture. Donc placer comme ça un trou, eh bien à l'endroit où vous allez vouloir, eh bien placer votre ligne de marquage. Et ensuite, je vais venir avec une petite mousse de blister comme tout à l'heure pour le chipping, sauf que là je charge un peu plus ma peinture et, et je vais comme ça déposer très délicatement. Et eh bien plein de, de petits points comme ça. Mais le but est de garder quelques endroits, on va dire, qui ne sont pas vraiment peints. Hein, des endroits où en fait la peinture s'est écaillée, tout simplement. Et, euh, et comme ça, avec la mousse, vous aurez cet effet-là. Je vais reprendre quand même eh bien, au pinceau quelques petits endroits de façon à booster eh bien, euh, cette peinture. Ça va me permettre aussi eh bien, de lisser un peu ou d'atteindre des endroits que la mousse ne pouvait pas atteindre. Donc je reprends ma couleur, peu importe cette couleur, c'est vous qui la choisirez. Là en l'occurrence, moi c'était un blue green, mais vous pouvez très bien les faire en rouge, en vert, en jaune, en bleu. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à retirer tout simplement eh bien, les scotchs de masquage pour obtenir eh bien, votre motif. Faites le tant que la peinture est fraîche, ça évitera que ça puisse sécher sous le scotch à des endroits, etc. etc. et de la retirer avec plus de difficulté. Et cela conclut eh bien, la partie pour ce bâtiment désertique. Passons maintenant à des bâtiments un petit peu plus sombres, de type Mustafar. Je suis donc revenu masquer une partie de mon bâtiment de façon à pouvoir réappliquer une nouvelle sous-couche qui sera plus propice à ce type de peinture. Et je commence par poser eh bien, un zénithal de mon noir qui va faire que... Bien le, le bas de mes volumes, mais aussi le haut, euh, seront eh bien, en noir. Et je poursuis avec un zénithal de Panzer Gray euh, dirigé eh bien, depuis le haut, de façon à récupérer toutes mes arêtes en version lumineuse et à coloriser eh bien, mon bâtiment. J'enlève ensuite eh bien, tous mes scotchs de façon à pouvoir travailler. Et je commence donc ainsi sur une base déjà relativement sombre. J'applique ensuite ma couleur de contraste, ici un ténébrousse gris, et bien sur l'ensemble des diverses parties que je souhaite mettre en différence par rapport à mon volume normal. Puis j'applique un green brown bien dilué comme ça, vient dans toutes mes ombres et dans le bas de mes volumes, de façon à préparer ma future séparation entre mon green brown et mon chocolat. J'applique comme ça partout de façon bien diluée en divers filtres et n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois avec toujours la même technique où je chasse ma peinture pour préparer mon futur dégradé. Et à chaque fois, dirigez bien vos coups de pinceau de façon à bien préparer le travail. Avec mon chocolate, je fais la même chose mais dans mes zones de lumière, donc toujours en le même système. J'étire bien ma peinture et je viens ensuite et eh bien estomper cette différenciation avec un pinceau beaucoup plus humide. Donc dégagez bien toutes vos zones de lumière, montez comme ça là, votre peinture en divers filtres jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Avec un mix 50-50, medium rust et chocolate, je viens faire comme ça des brossages très légers et bien sur mes zones de démarcation et sur les volumes que je souhaite mettre en avant sur mon bâtiment. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Je reviens ensuite travailler un petit peu l'ombrage avec mon Green Brown de façon très diluée de façon à booster comme ça eh bien, mes séparations entre mes zones. Une fois que tout sera bien sec, ça sera parfait. Je viens ensuite avec mon H-Gray reprendre comme ça les lumières que je veux donner dans tout ce qui était en Ténébrous gray avant. Et donc je booste eh mes arêtes bien sûr, mais aussi avec de fins filtres eh bien, comme ça, les, la lumière de façon à ce qu'elle soit plus progressive sur toutes ces parties. Jusqu'à obtenir ceci. J'applique ensuite un jus de medium rust, euh, donc quelque chose de très dilué, eh bien dans tous les, les endroits comme ça où une certaine poussière pourrait venir s'accumuler euh, de façon à créer, eh bien quelque chose d'encore plus proche de mon côté mustapha Cette petite étape va me permettre, comme ça, eh bien de donner un sentiment de chaleur à divers endroits sur mon bâtiment. Et voici ce que j'obtiens au final. Je viens ensuite faire un brossage à sec très très léger de neutral grès de façon à booster un peu la lumière eh bien, dans toutes ces zones et préparer ainsi eh bien, tous les futurs linings que je vais pouvoir créer eh bien, sur mon bâtiment. Je pose aussi comme ça très finement quelques petits points de mon neutral grès pur de façon à donner une granulosité au bâtiment. Je viens ensuite avec mon grime migré et grâce au soutien de mon neutral gray qui est en dessous, eh bien, retravailler comme ça les différentes arêtes, donner une, une lumière bien précise et bien dirigée eh bien, à tous ces, tous ces angles, toutes ces petites proéminences. Et je vais en profiter eh bien, pour booster quelque part aussi euh, tout le weathering que j'avais commencé à faire en tirant quelques traits, en boostant des petits points dans toute la texture que j'ai créée jusque là. Avec ce même gras émigré, je vais venir travailler eh bien, toutes les arêtes, toutes les aspérités que je veux dans ma partie ténébrouse gré, l'autre partie. Et donc je travaille comme ça de façon très erratique et très assurée les divers linings que je peux avoir de présent sur ces petits morceaux de bâtiment. Donc, prenez votre temps, tirer machin, mais l'important, c'est que vous ayez des linings qui soient tirés, et eh bien, de partout, de façon à bien délimiter les différents côtés, comme ça, de votre bâtiment. Bien sûr, vous pouvez en profiter pour ajouter un peu de weathering et un peu de lumière à différents endroits, de façon à continuer à booster le contraste. Et une fois que c'est fait, vous avez quasiment terminé votre bâtiment. J'ai quand même ajouter eh bien la lumière verte avec le même procédé que j'avais utilisé et eh bien pour la lumière euh, sur l'autre type de bâtiment. Et une fois que c'est fait, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci spécifiquement pour Mustapha. Je vais représenter des espèces de projections de lave et eh bien sur euh, les bâtiments. Donc je commence par faire comme ça des tâches. Très erratique avec mon ténébreuse grec de départ et je crée comme ça et eh bien des, des petites zones, des endroits où de la lave aurait été projetée. Je viens ensuite avec un rouge et eh bien poser à l'intérieur comme ça de façon très diluée et eh bien quelques points, quelques pointillés. Hein. Donc j'ai pris un rouge assez léger, pas un rouge hyper vif, mais plutôt un rouge légèrement orangé de façon à pouvoir créer comme ça le futur effet de chaleur. Donc, poser vraiment des petits points comme ça à l'intérieur et eh bien des zones que vous aviez euh, créées juste avant et avec un orange fluo je viens ensuite eh bien, booster comme ça certains points de ces points de lave quelque part qui sont ultra brûlants ultra chauds et qui sont en train eh bien, de croustiller de grignoter comme ça le bâtiment vous pouvez comme ça et eh bien aussi tirer des espèces de lignes comme si et euh, eh bien les gouttes avaient coulé vers le bas et euh, tirer ainsi comme ça une progression de la lumière dans ces projections de lave. Avec un jus de rouge très dilué, je viens comme ça ensuite euh, donner une espèce de, de zone de chaleur euh, dans tout ça, de façon à, à booster un peu eh bien, mon effet de lave. Et voici l'effet final que vous devez obtenir eh bien, sur votre bâtiment. Je finalise mon bâtiment en ajoutant un petit peu de métallique eh bien, sur les endroits qui sont supposés en recevoir et je le tire très doucement comme ça je le marque très légèrement j'applique ensuite un petit shade euh, de euh, mon black lotus et je booste le tout avec une petite pointe et eh bien de métallique un peu plus clair et voici le résultat final voyons maintenant comment faire des bâtiments pour des planètes un peu plus luxuriantes avec plus de végétation et on va le faire sans utiliser aucune sous-couche de couleur donc full pinceau pour ça, je vais partir sur ma base zénithale noir-gris-blanc que j'avais au départ et je vais eh bien, utiliser une couleur de base, ici un alga green, que je vais répartir comme ça eh bien, sur mes zones que je souhaite être colorées. J'applique donc ma peinture en fine couche eh bien, de façon très dirigée, de façon à aussi profiter eh bien, du zénithale qui est présent sur la figurine d'ores et déjà. Donc je pousse ma peinture et mon pigment comme ça, très dilué, vers l'endroit où, où je veux que ça soit le plus coloré. Hein, donc près des jonctions, etc. Et je laisse eh bien, le reste, je le balaye, je le nettoie avec ma peinture très liquide. Je vais faire comme ça eh bien, plusieurs passages de filtre, notamment sur le bas, de façon à ce que mon verre soit plus prononcé. Et au final, eh j'obtiens quelque chose comme ceci où on voit bien que j'ai gardé par transparence eh bien, les différentes zones de lumière que je souhaitais être présentes eh bien, sur le bâtiment. Je reviens ensuite avec un US Dark Green et eh bien travailler toutes mes zones de séparation et quelque part mes ombres. Donc toujours le même système avec une peinture très diluée que je viens flouter en mouillant mon pinceau. Je crée comme ça des zones un petit peu plus diffuses dans des couleurs plus sombres. Et voici ce que j'obtiens après le passage de ces divers filtres. J'applique ensuite ma couleur de contraste comme d'habitude sur mes zones de différenciation, donc ici un anthracite gris et je base eh bien, comme ça l'intégralité des zones qui vont me servir de structure un petit peu plus métallique pour la suite. Donc encore une fois, eh bien, prenez votre temps, mais vous n'aurez aucun problème à baser ces différentes zones jusqu'à obtenir eh bien, quelque chose comme ceci. Avec un mix 50-50 entre acide gris neutral gris, je viens comme ça en frottant eh bien, et en mouillant mes délimitations, retravailler la lumière sur eh bien, ces parties de contraste. Donc encore une fois, c'est une question d'orientation euh, de pinceau et de fluidité de votre peinture. Je vous renvoie notamment eh au tuto sur les socles pour tout ce travail de métallique ou de surface comme ça, de travail de dégradé j'éclaircis donc comme ça eh bien toutes mes surfaces et je viens finaliser en reprenant eh bien, avec ma couleur tous les linings de ce, ces différentes formes ça va me permettre comme ça de bien préciser la lumière sur tous mes volumes je vais ensuite éclaircir eh bien tout ce travail avec une, mon neutral gray pur et encore une fois, en passant des filtres de façon à booster eh bien, la lumière qui va progressivement monter sur mes petits volumes. C'est ce travail de définition et de précision comme ça sur les différentes arêtes qui va créer ou redonner du volume à l'ensemble plutôt que d'être simplement une plaque toute plate. Je viens ensuite booster eh bien, tous ces linings et donner un peu de texture avec un, un pastel green très dilué de façon à augmenter encore comme ça le contraste dans mes zones, et donc à créer encore plus cet effet de matière. Plus vous passerez de temps à texturer comme ça eh bien, vos différentes zones, plus vous obtiendrez quelque chose d'intéressant sur le bâtiment. Je viens ensuite avec un Luminous Green comme ça à eh bien brosser mon, mes zones de lumière de façon à booster un petit peu plus comme ça eh bien, le côté vert vif de la lumière de mes volumes jusqu'à obtenir eh bien quelque chose comme ceci. Je travaille en métallique les divers autres petits accessoires qu'il y a sur ce panneau. Donc tous les petits boutons, les petites grilles, les petites plaques qui vont eh bien ensuite revenir être travaillés comme d'habitude avec un ombrage et un léger éclaircissement éventuellement quelques petits points de couleur. Avec mon luminous green, je reviens eh bien retravailler toutes mes arêtes dans mes parties vertes et donc booster comme ça. Les diverses zones de lumière et je vais pouvoir appliquer une espèce de petit weathering euh, vert, hein, donc euh, type mousse ou type euh, ce genre de choses pour agrémenter eh bien mon panneau vert. Et au besoin éclairer avec un petit peu d'ice yellow dans votre vert si vraiment vous trouvez que la différenciation n'est pas suffisante euh, pour booster comme ça eh bien ce petit weathering que vous avez posé ces parties de vert ou de des raflures dans votre vert façon à créer un vrai fort contraste. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Et si vous le désirez, vous pouvez vous arrêter là, mais on va essayer de voir comment aller plus loin. Créer un motif de camouflage est au final quelque chose d'assez simple. Parce que plus il sera aléatoire, et plus il sera imprécis, et plus il sera camouflé. Donc la première chose à faire est de commencer par délimiter des zones, comme ça, totalement aléatoires, de façon la plus non géométrique possible. Puis on commence à remplir eh bien, ce motif avec une première couleur. Première couleur que l'on va ensuite eh bien, retravailler avec une deuxième, puis une troisième, voire une quatrième couleur. Plus de quatre couleurs ne sert pas à grand chose et ne servira pas le but de faire un motif de camouflage. Il faut aussi faire attention à ce que eh bien, nos couleurs ne soient pas systématiquement les mêmes, genre une alternance euh, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Non, là il faut que ça soit vraiment aléatoire. Plus ça sera aléatoire et mieux ça marchera. L'ensemble doit comporter tout de même au moins deux couleurs qui sont franchement opposées comme par exemple ici, eh bien le marron et le vert. Jusqu'à ce qu'on obtienne eh bien ce qu'on pourrait appeler la couche de surface, surface qu'on va habiller eh bien par le dessous. On va créer la couche du dessous maintenant qu'on a notre modèle visible. Ce modèle va venir cacher ou être caché eh bien par notre première couche. Et plus on va descendre, plus on va ajouter eh bien des ombres et donc on va créer comme ça une superposition de couches inférieures qui vont aller dans des couleurs de plus en plus sombres dans notre couleur d'origine. Donc ici, du vert. Et à force d'égaliser eh ces couches, on va obtenir un motif de camouflage, dont les couleurs sont adaptées à l'environnement que l'on souhaite donner. Voyons maintenant comment représenter des bâtiments pour hôtes et donc des bâtiments qui seraient gelés. La glace en elle-même est une alternance de bleu, de gris et de blanc. Et donc je vais commencer par venir redéfinir eh bien, toutes mes zones d'ombrage sur eh bien, ma sous-couche blanche et grise que j'avais posée dès le départ. Et donc avec un anthracite gris, eh je vais comme ça délimiter mes zones de façon à commencer à créer eh bien, mon effet de glace. Vous commencez à être habitué maintenant, mais avec une peinture eh bien, très liquide, je vais venir maintenant estomper ces délimitations. Et donc simplement en mouillant mon pinceau, je viens rechercher et réactiver quelque part mon pigment de façon à créer un floutage, hein, une zone de, de dégradé entre mon euh, anthracite gris et ma surface euh, vierge euh, de toute autre couleur. Et donc j'estompe et j'atténue de façon à renforcer l'espèce de halo d'anthracite gris. Je viens ensuite faire du taponnage avec un pelle gris sur mes zones de façon à booster eh bien, la lumière dans l'ensemble du panneau de euh, ce bâtiment gelé. Le fait de faire ceci crée une espèce de texture de... Oui, de neige tout simplement, ou en tout cas de... de sensation de relief légèrement lissée par la glace. J'ajoute ensuite du blanc dans mon mélange et je viens comme ça eh bien, blanchir au fur et à mesure et de façon de plus en plus légère les différentes zones que je souhaite mettre en lumière. Je travaille ensuite la liaison entre mon anthracite et euh, toutes les zones d'éclaircissement que je viens de faire avec un pastel bleu, pareil, très dilué que je viens passer en diverses successions de couches de glacis très très dilué de façon à teinter eh bien mes panneaux jusqu'à obtenir eh bien quelque chose qui ressemble à ceci. Puis avec un Ducat Blue extrêmement bien dilué je viens renforcer comme ça l'effet de froid sur certaines petites zones bien plates genre les, les rebords ou les intérieurs comme ça euh, des choses et je pose quelques voiles à certains endroits et eh bien de ce bleu de façon à booster la froideur ou le froid euh, le ressenti de froid l'on peut avoir sur les différentes zones les zones métalliques étant bien souvent beaucoup plus froides et eh bien j'insiste ou en tout cas j'augmente ma proportion de bleu et eh bien dans ces diverses zones donc là ici en l'occurrence sur la espèce de grille de ventilation qui est présente sur le panneau et avec du blanc je commence à tirer des traits euh, sur mes différentes zones de façon à créer des espèces d'effets de coulure de marquage de Sensation de froid qui ruisselle. Cela nous permet également aussi de donner un peu comme ça de texture à nos diverses zones jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. J'encadre mes divers traits de blanc avec un, des petits traits de bleu très légers ou en tout cas très dilués de façon à créer encore plus de relief eh bien, sur euh, ce marquage. Avec mon Ducat bleu très dilué, je viens poser comme ça un jus de peinture. Sur ma lampe de façon à bleuir la lampe, mais à garder comme ça eh bien, la progression de la lumière dessus. C'est pour ça que mon bleu est beaucoup plus fort en bas qu'il n'est en haut. Je reprends ensuite eh bien, tous les linings sur toutes mes arêtes de façon très hachurée, pointillée, de façon à booster le contraste. On pourrait aussi ajouter un petit peu de neige artificielle à certains endroits ou utiliser des bits du style stalactite transparent pour venir augmenter l'effet glace. Même si on va dire ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas un tuto, je voulais surtout vous montrer qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec les diverses techniques que je vous ai proposées jusque-là. On peut éclaircir des zones pour qu'elles deviennent rouges alors qu'elles étaient noires ou bleues. Vous pouvez assombrir, éclaircir différentes zones, créer des motifs ou pas de motifs, mettre en avant certains détails, etc. etc. Donc n'hésitez pas à eh bien. Essayez des schémas de couleurs, à utiliser eh bien, la puissance du zénithal sur votre structure de façon à eh bien, essayer de créer votre propre schéma de couleurs qui s'adaptera à votre table. Une des solutions aussi qui est utile, c'est de poser ces pots de peinture en correspondance avec eh bien, votre tapis en lui-même et déterminer quelles seront les meilleures couleurs. Qui vous permettront d'associer vos bâtiments à votre tapis donc faites vos tests regardez essayez d'obtenir le meilleur résultat avec ce que vous avez de disponible et ce que vous souhaitez faire en utilisant diverses techniques en ajoutant et eh bien des détails qui peuvent créer une cohésion d'ensemble par rapport à tout ce que vous pouvez vouloir mettre en scène sur vos décors et vos différents tapis pour vos parties de Star Wars Shutterpoint. Voilà cela conclut ce que je voulais vous dire et eh bien à propos des bâtiments de ce jeu et je pense qu'il y a moyen d'explorer diverses techniques de peinture qui sont très intéressantes et qui vous seront très profitables. J'espère bien évidemment que vous allez reproduire sur vos propres décors. Eh bien, quelques-unes de ces techniques et que vous prendrez un grand plaisir à jouer dessus une fois que tout sera peint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en activant la cloche, eh bien, vous serez prévenu de la sortie des prochains tutos concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. Pour participer au tirage au sort afin de gagner une Asoka Tano Padawan, eh bien, inscrivez en commentaire. Viva Soka et nous annoncerons lors d'une prochaine vidéo le gagnant de cette figurine. J'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous pour le prochain et en attendant que la force soit avec vous.